Bonjour les amis et bienvenue sur Rocher Concept Racing. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va vous faire la vidange de la boîte de la TDR 50. Et j'ai mis une casserole en dessous, ça va être très très bien. Ça va faire l'affaire les amis. Ça marche bien cette petite connerie là. Ça monte à 9500. Moi, ce que vous en pensez. Donc voilà, on ouvre là. Là, il y a le carter d'huile. Regardez. On ouvre, on pré-ouvre. Et la vis de vidange, elle est en dessous. Là. Alors, les amis, la vis de vidange se trouve là. Je sais pas si vous allez bien la voir. Là. Et c'est une clé 12 qu'il faut. Putain, mais la pute. Bon, on reprend quand c'est desserré parce que là. Ok. Eh bien, elle est bien noire l'huile. C'est l'huile vidangée. Elle a l'air verdâtre. Maintenant, on va remettre de. On va tout nettoyer, on va faire un petit rinçage quand même. Puis on va remettre de l'huile propre, hein, les amis. Il y a ma TDR 5088. Voici ce qu'il y avait dedans. Alors, normalement, c'est 700 ml. Il n'y a que. 300. On va mettre de l'huile propre et puis on va se repartir quoi. On met de l'huile propre. Pour faire un rinçage moteur. Et voilà. Ça coule, c'est fluide. On met la moto droite. On laisse bien pisser. Puis après on met 900, on met 700 millilitres. On laisse bien écouter l'huile, puis je vous reprends d'ici 5 minutes pour faire le plein d'huile. Vous allez voir ça les amis. Vidange, on va mettre de la bonne huile 700 ml. TDR 50 1988 les amis. Yeah. Ça c'est, on a mis de l'huile Hippone de temps. Box. Tout droit. Bien sûr pour la moto, faut bien dire merci à Balkeko. On remet l'huile propre. Mais maman, regarde, elle a l'huile à plat. C'est trop grosse. On laisse bien écouler. On met 700 ml d'huile de boîte. Pas que ça coule. Tout est bon. Ça fuit pas, yeah. Donc voilà les amis. Donc voilà, petite vidéo pour vous dire que la TDR elle se passe bien. Ça marche super bien. J'ai pris, bien sûr, après avoir fait toutes les entretiens courants, tout ce qu'il faut. Batterie neuve, j'ai mis une batterie neuve d'origine. J'ai mis une Yuhaza, les amis. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? Vidange boîte, filtre à air. Voilà, j'ai filmé un peu ce que j'ai pu.
si on dira merci à Bike Eco. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir ça. Et puis franchement, je suis très étonné. J'ai pris 95 100 avec. Et ça marche super bien. Top moumoute, comme dirais-je. Et franchement, all in a nice. Hein. Les doigts dans le nez, les amis. Les doigts dans le nez. Voilà, donc à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez de la moto. Et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre. La carte grise finale, elle sera en collection. Elle va arriver d'ici un mois à peu près. À peu près. Hein. J'ai lancé toutes les démarches. Et franchement, vous pouvez aller les yeux fermés chez Bike Eco. Sérieux, rapide, répondre au téléphone. Franchement, les machines de qualité. La machine, franchement, de qualité, regardez. Pas une rayure qu'on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, j'ai enlevé les autocollants devant. Là, c'est pour le transport. Pas une fuite moteur. J'ai fait à peu près 100 km depuis que j'ai le véhicule. Et franchement, je suis de plus en plus étonné. Hein. Refroidissement liquide, bien sûr. Fait toutes les vidanges, tout. Reste plus qu'à changer les pneus dessus. Et c'est parti. Là, le brillant que vous voyez, c'est le nettoyer en frein. Voilà, j'ai un peu nettoyé la bécane, quoi. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Regardez pour preuve que la batterie elle marche. Bon, on voit pas. Faut démarrer le moteur pour. Je me trouve encore un rétro. Puis voilà quoi, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis oubliez pas, hein. Une vidéo tous les mercredis 10h15. Sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snap. Et puis principalement YouTube. Partagez, abonnez-vous, likez. Et il y aura du très très lourd qui arrive. Plus vous vous abonnez, plus vous partagez, plus il y aura du. Et franchement, regardez. Pas une fuite au joint speed fourche. J'ai rien fait, hein, je l'ai eu comme ça, pas une fuite. Pas une rayure. Oh, par là, voilà, ça veut dire le transport. Voilà, comme des fois, à vrai dire, il y a juste ça. Voilà, franchement, c'est rien. Pour une moto de 40 ans, elle est de 88. Hein. Elle a exactement 36 ans, les amis. Voilà. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, 10h15 tous les mercredis. Yeah, abonnez-vous, likez. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire. Bien sûr, tout ça a été fait grâce aux outils de chez Destock 41 avec le code promo ROCHE5, les amis. Destock 41, mon partenaire sérieux qui répond toujours présent pour tous mes projets. Merci à lui et merci à Bike Eco. À la semaine prochaine, les amis.